question. J'entends juste des gens qui sont devant. Et vous qui sont derrière, où êtes-vous? Alléluia! Je ne vous entends pas encore. C'est la première fois que je sois en croisade devant des personnes aussi grandes comme ça. Mais peu de gens que j'ai déjà rencontrés ont de la force plus que vous. Si vous voulez que le diable puisse aller loin de nous, crie avec toute ta force. Je voudrais bien tout ce que nous entendons. C'est comme si on regardait loin dans un miroir. Parlait comme un proverbe. Mais maintenant le temps est arrivé. Que le Burundi soit réveillé. Mon Dieu, que ce jour est arrivé. Parce que ce jour n'a pas été facile. Il y a eu pas beaucoup de choses. Beaucoup de choses voulaient empêcher que ce jour soit là. Mais comme Dieu l'a recommandé, parce que les gens de la prière étaient là, les intercesseurs étaient à la prière, parce qu'il y avait la foi, Dieu a exaucé. Alléluia! Alléluia! Je sais que parmi vous, il y a tant de personnes qui ont soif. Il y a des gens qui ont passé la nuit ici. Ils sont venus du Congo. Ils ont été ici, ils ont dormi, ils ont passé la nuit ici. Alléluia! Alléluia! Toi qui es venu ici, toi qui as pris ton billet d'avion, et que tu es venu, tu as donné tes moyens, tu as laissé de côté ta famille, et que tu as laissé ton pays aussi, tu es venu ici, je t'accepte, je te promets, tu ne retourneras pas comme tu es venu. Il y a une histoire d'une femme comparée dans la Bible. Cette femme avait une maladie de perte de sang pendant 12 ans. Mais la Bible dit ceci. Après avoir entendu la nouvelle de Jésus, quand elle a entendu les nouvelles de Jésus, elle s'est dit, juste si je toucherai, si je toucherai sur le debout de ses habits, je serai guéri. Il y en a beaucoup de personnes qui étaient avec elle. Mais la manière dont elle avait cru à cela, c'est comme ça que ça s'est passé. Quoi, toi, tu attends? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu attends? Alléluia! Alléluia! Oui, Taziki. Qu'est-ce que tu attends? Oui, Taziki. Qu'est-ce que tu attends? Une mousse. Aujourd'hui, une mousse. C'est le jour d'être visité. J'ai déjà commencé sans que même je te salue. Oh, il y a des choses qui jaillissent à moi. J'ai pas dormi la nuit. Je me suis allé au lit à 2 heures du matin. Et je disais, Seigneur, le jour est venu. Alléluia. Le jour est venu. Alléluia.
Il y a une personne qui un jour m'a dit ceci. Il m'a dit, je suis allé sur Google. Je vais taper les 10 derniers pays qui sont pauvres. Et puis la personne m'a dit, à ton pays est le premier. Et je lui ai répondu, est-ce que toi tu as lu la Bible? Que Dieu visite les choses qui sont les plus faibles aux yeux des gens. Alléluia! Alléluia! Dieu adore ou aime les choses les plus humbles, les plus faibles, pour qu'il puisse manifester sa puissance. Ainsi, lorsque Dieu est à sa main, je dis la main de Dieu. Et que cette main touche sur la chose la plus faible, la chose en question. Je dis la chose en question. Ne reste pas toujours dans la faiblesse. À cause de la main de Dieu, parce que ça a touché. Alléluia. Alléluia. Je vous dis pour les années à venir, les chiffres vont changer. Parce que Dieu a visité le monde. Alléluia. Ce que je vous dis, ce ne sont pas des choses éternelles. Ce ne sont pas des choses tangibles seulement. Parce que la parole de Dieu nous dit les choses qu'on ne voit pas par l'œil. Mais ce qui se voit physiquement sont très éphémères. Les choses des questions qu'on rencontre dans ce pays sont des choses visibles à l'œil physique. Mais réellement, les vraies questions, les questions auxquelles nous devons affronter, comme les gens qui croient, ce sont des choses invisibles. Alléluia! Nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Nous allons le faire. Je suis habitué normalement dans les croisades de Kanguka. Je prends environ une heure de temps pour enseigner. Et après nous prions. Mais aujourd'hui c'est différent. Je vais prendre une partie du temps pour enseigner, pour prêcher. Et puis les gens seront touchés par la parole. Ils vont se repentir pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alléluia. Et cette partie étant finie, alléluia. Alléluia. Après cela, nous allons prier pour le pays. Qui veut prier pour le pays? Alléluia. Je ne vois pas. Ces gens qui veulent prier avec moi pour le pays. Il y a quelqu'un qui a peur ce moment. C'est le diable. Il s'appelle Satan. Il est en train de trembler. Oh, il dit, oh, mon vol. Fini. Oh, il est mort, référé. Alléluia. Alléluia. Puis il va nous lire la parole de Dieu dans l'évangile selon Jean au chapitre 10, verset 7 jusqu'à 10. Vous allez donc patienter parce que nous allons lire dans deux langues, Kirundi et français. Nuko Yesu yongera kubabwira ati Nukuri nukuri ndababwire ni jewe rembo ry'intama. Abanyitanga imbere bose bari bisuma n'abambuzi. Amen. Ariko intama ntizabumbi. Hallelujah. Ni jewe rembo. Amen. Kandi ushika mu rugo wese aciye kuri jewe arakizwa. Uciye muri jewe arakizwa. Agataha. Agaturuka. Akaronka ubwatsi butotahaye. Okay, subira umurongo w'indwi rero. Tugende bukebuke. Nuko Yesu yongera kubabwira ati. Yesu yongera kubabwira ati. Nukuri nukuri ndababwire. Nukuri nukuri ndababwire. Ni jewe rembo ry'intama. Amen. 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 Eh, hey, plaisir. Tu as fait plaisir au Zaurisha. Le pasteur plaisir de Karibu na wanyene Zaurisha. Comme na machi plaisir. Alléluia. Seigneur pour plaisir. Nous connaissons yongera kwabwira ati nukuri nukuri nabwire. En vérité je vous le dis. Ni jewe rembo. Je suis la porte. Yesu ni jewe rembo.
Il disait, je suis la porte. Verset 8. Abanyitanga imbere bose. Tous ceux qui sont venus avant moi. Alléluia. Verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Alléluia. Alléluia. Comme si vous dormez. Mais c'est comme si vous dormez. Ceux qui ne dorment pas le vont les mettre. Alléluia. Alléluia. Okay. Ceux qui dorment, lèvez les mains. Hey. Ah, finalement, vous êtes éveillés. Je voulais vous demander, vous tous, de vous mettre debout, même les personnes qui sont assises. Alléluia. Alléluia. Abishaye, ceux qui sont assis, on peut se mettre debout. Remercions le Seigneur. Essayez de vous étendre un tout petit Alléluia. Peu. Mettez-vous à l'aise. Mwami manayachu waraturinze. Notre Dieu, tu nous as gardé. Uturindu mujinya wa satani. Tu nous as gardé contre le mal du diable. Ina. Aha. Uraturinda ni twapa. Ishimwe. La louange à toi, Seigneur. Ishimwe ni Yahweh. À toi la gloire. Ishimwe ni Yahweh. À toi seul. Ishimwe. Ishimwe ni Yahweh. À toi seul. Ishimwe ni Yahweh. Seigneur, je te montre. Nous t'appelons Saint-Esprit. Descends. Aujourd'hui. Nous l'avons entendu tant de fois. Et maintenant nous l'avons. Je prie pour tous qui sont ici. Et moi-même inclus. Oh Seigneur, que ta grâce soit sur moi. Je te remercie. Parce que tu as montré que ta main est là pour délivrer. Que beaucoup vont être délivrés. Nous te remercions pour les cordes et les chaînes qui seront déchaînées aujourd'hui. Merci parce que tu es Dieu. Ouvre le ciel. Laisse que tes gens descendent. Lève ta main. Laisse ta puissance. Laisse ton amour. Parce que tu as été crucifié à la croix. Et qu'on sache que toi tu es vivant. Et que tu es au trône. Sur le trône de victoire. Louange. La gloire est à toi. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons encore. Alléluia. Alléluia. Prenons place et nous allons lire encore le verset 10. Dans la nuit d'hier et d'avant-hier, Dieu m'a montré beaucoup de personnes avant qu'on vienne ici. Beaucoup sont entrés étant liés les mains et les bras. Les pieds, mais après, ils sont liés au soutien, louant le Seigneur. Beaucoup sont venus ici étant fatigués. Mais ils vont retourner étant libérés et aussi délivrés. Parce qu'il n'y aura plus de peine. Nous avons un ennemi. Un seul. Il s'appelle Satan. Jésus l'a appelé voleur. Le voleur ne vient pas pour autre chose. Le voleur a trois missions.
voler, kwica, tuer, gutikiza, détruire. Nanje jaho nazanywe no kugira ngo zironke inama zironke ubugingo. Mais Jésus lui, il est venu pour que la pépite trouve la vie et trouve un patriarche. Et pas seulement ça, mais en abondance. Ceux qui ont la Bible en Kirundi, le voleur, la commis de mission, ceux qui m'ont suivi, le diable a commis de mission, trois missions. Voler, tuer, premier, voler. Deuxième, tuer. Troisième, okay, détruire. Premier, c'est quoi? Voler. Toute personne qui est ici, Satan le diable veut te voler. Ça, c'est la première mission. Chambéré. La deuxième mission, Satan veut te tuer. Et même si tu n'es pas encore mort, c'est pas parce qu'il a pitié de toi, c'est parce qu'il n'a pas encore ici, mais il a la mission de te tuer. La troisième mission, c'est quoi? Détruire. Voilà la mission du diable Satan. Voler, tuer et détruire. On va lire le premier épître de Jean. Chapitre 3 et 5, plutôt verset 19. Chapitre 5, verset 19. Soma, Pio. Dazi uko turabi imana kandi si yose iri muri wa mubi. Siramo. Dazi uko turi abi imana kandi si yose iri muri wa mubi. Isi yose. Nous savons que nous sommes en Dieu et le monde entier est sous la puissance du mal. Alléluia! 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 Combien de choses sont sous la puissance du diable? Ceux qui sont dans la technique, mettons le verset en Kirundi. Kirundi, arazara somme qui France. Ici, on sait. Écoutez. Le monde entier, il est sous la domination du malin. Et quand on dit le monde entier, il y a le Burundi aussi. Il y a le Congo aussi. Il y a l'Europe. Il y a l'Amérique. Et ce n'est pas loin où dans ces nations. Le monde entier est sous la domination. Dans Jean 14, verset 30, yes, vous en go. Jésus a dit, il Satani, il appelle Satan, Nami, oui, si. Il est le roi prince de ce monde, le prince du monde, le prince de ce monde. Alléluia. 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 Dans Luc au chapitre 11, yes, vous en go. Jésus a dit, pour que tu puisses voler quelqu'un qui soit fort, d'abord il faut le lier. Si tu veux en fait voler ou bien prendre du diable quelque chose, la première chose, il faut faire quoi? Ceux qui ont entendu, il faut faire quoi? Il faut le lier. Le lier. Pour que tu puisses en prendre quelque chose. Ceux qui ne connaissent pas, ici nous sommes venus lier au diable. Ceux qui croient cela disent amen. Dis encore amen. Le diable veut que tu puisses avoir peur de lui. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ont eu peur, ceux qui ont peur de lui, ceux qui sont dans le désespoir. J'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dis à ton voisin, j'ai la bonne nouvelle pour toi. Nous voulons alors entendre la bonne nouvelle. Et cette nouvelle, c'est ce qui vous a poussé de nous réunir tous ici.
Et cette nouvelle, c'est ainsi que je vous dis. Ceux qui ont pris l'avion sont venus au Burundi. Ah, c'est la nouvelle qu'ils viennent entendre aujourd'hui. Yohana Wambere. 1 Jean et 1er Pétre de Jean. Au chapitre 3, verset 8. Ukora ibyaha nuwa Satani. Kuko uhereye mu ntango Satani yamye akora ibyaha. Icyatumye umwana w'Imana ahishugwa ngingiki. Kezaho, pastor. Alléluia. Avuze gute cyatumye? Ce qui a poussé icyatumye umwana w'Imana ni Yesu. Le fils de Dieu c'est Jésus. Icyatumye Yesu aza. Ce qui a poussé Jésus de venir. Iki, comment ça? C'est quoi? Continuons. Comment ça? C'est afin de détruire les œuvres du diable. Répétez. Le fils de Dieu est à Paris afin de détruire les œuvres du diable. Répétez encore, ne va pas continuer ça que vous avez bien entendu. Le fils de Dieu est venu et Paris afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous êtes dans la joie? Vous êtes dans la joie? L'ennemi c'est le diable. Satan. Il a combien de missions? Trois missions. Dites à tout. Trois missions. La première, quelle mission? Voler. Deuxième mission. Iki. Twitcha. Sidio. La troisième mission. Aouye, aouye, tango. Il y en a ceux qui me montrent comme ça. C'est égorger. Aja kuiwa. Kuiwa. Il vient voler, tuer, égorger ou détruire. Nous allons retourner là où nous sommes venus. Voyez sur ces missions. Jésus a quelle mission alors? À haute voix. À haute voix. Jésus est venu détruire les Satan. Du diable. Jésus est venu faire combien de choses? Il est venu empêcher le diable de faire quoi? Tuer. Il lui a aussi empêché de voler. Et il lui a aussi empêché de détruire. Alléluia. Ceux qui ont entendu, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour ceux qui ont entendu. Ceux qui ont entendu. Maintenant alors, je vais vous dire, si vous avez bien compris, ce qu'on va faire. Pour que nous puissions aller au ciel, il est venu nous délivrer, que nous puissions aller au ciel. Mais il est venu aussi détruire les œuvres du diable. De Colossiens chapitre 2, au verset 14. Vous vous souvenez, pasteur? Ihanaguye ni kete ritwagiriza ririmo amabwirizwa byaduhama irikura hagati yacu nayo iribamba ku musaraba yabambye ku musaraba bananya kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha Yesu yambuye abakuru n'abafise ububasha. Alors, je vais commencer par le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Alléluia. Et les a livrés publiquement. Alléluia. Un spectacle. Imanishimwe. Alléluia. Alléluia. Amen. Yaramunyaze. Il l'a dépouillé. Vukuti yaramunyaze. Il l'a dépouillé. Yamatsubasha. Il a enlevé l'autorité et la puissance. Il a enlevé l'autorité
Dans l'Apocalypse, 5, verset 18, il est dit que Jésus, il a la clé de la mort et de la vie. Il a vaincu. Il a la clé de sa mère, de la mort et du séjour de la mort. Il a vaincu. Alléluia. Alléluia. Satan n'a jamais affiché que lui. Satan n'a pas la puissance sur toi. Ni oui, zéra yes. Si tu crois en Jésus. Ami zéra yes. Ceux qui croient en Jésus. Dans la neige de Satan. Ils vont vaincre Satan. Ami zéra yes. Ceux qui croient en Jésus. Dans la neige de Tcha. Ils ont vaincu le péché. Tcha. Le péché. Ni kuya kuganza. Ne peuvent pas avoir de la place ou de la domination. Ami zéra. Ceux qui croient. La guerre de la muga ou mubiche mubia. Ils ne peuvent pas marcher dans le péché. Parce que Jésus a vaincu le péché. Dis, il a vaincu. Alléluia. Alléluia. Si vous avez lu la Bible, le livre de Samuel. Alléluia. Amen. Le roi. Le roi voulait voir un prophète. Et le prophète était mort. Et par après, le roi est allé vers la sorcière. Et il a appris donc, il voulait qu'il puisse avoir l'esprit du prophète. Et que aussi l'esprit du prophète puisse revenir à la vie. Parce que Satan, Satan avait encore la puissance. Bon, pour aller vers cette sorcière. Mais aujourd'hui, je dis aujourd'hui. Aujourd'hui, Satan n'en a plus. Il n'en a plus la puissance devant Jésus. C'est pourquoi il faut croire en Jésus. Tout ce qui est ici et qui sont dans le péché, j'ai la bonne nouvelle pour vous. Jésus a été crucifié pour que tu sois délivré. Je disais, Jésus a été crucifié pour que tu sois délivré. Il y en a beaucoup de personnes qui sont ici. J'ai amonté beaucoup de personnes qui sont venues ici étant fatiguées. Et ils sont aussi dans le péché. Ils ont la lourdeur du péché. Certains sont dans le péché de l'adultère. Dieu montrait ceci. Et la main donc de l'adultère. L'esprit de l'adultère. Et c'est derrière tes mains. Jésus m'a montré ça. Parce que Jésus est ici. Ceux qui croient qu'il est ici puissent acclamer. Acclamer le Seigneur. Parce qu'il a dépouillé. Il a pris la clé. Il a dépouillé l'autorité. Publiquement. C'est ce qui a été fait à la croix. Pour ce qui croit cela, le vérité. Quand Jésus était à la croix, il a pris toutes tes maladies. Il a pris tous tes péchés. Il a pris tous tes mensonges. Il a pris toutes tes adultères. Pour que tu sois délivré. Le sang de Jésus, c'est par ça que nous pouvons être sanctifiés. Nous sommes acceptés par Dieu. Parce que le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ceux qui sont dans le sang de Jésus, levez les mains. Si vous saviez la puissance qui est dans le sang de Jésus, et vous alliez acclamer lorsque vous entendez le sang de Jésus. Parce que c'est par le sang que nous sommes comme nous sommes et nous sommes enfants de Dieu. Dans Matthieu chapitre 27 et le verset 50. Matthieu 27, verset 50. Nous lisons en français. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Gloire à Dieu. Amen. Yesu yongera gusemera n'ijwi rirenga umutima uracha
igihuzu gikingi yahera cyane ho rusengero gitana mukamo kubiri yari heki yesu yari he turi kumwe jesus christ était où nous sommes ensemble levez les mains yesu yari he jesus était où nabwire shaka tuganire yesu yari he j'aimerais qu'on puisse échanger jesus était où yesu yari he jesus était où eh où comment ça à la croix je sais que ça se manga subiramo uwo murongo 55 2050. Yesu yongera gusemerera. N'ijwi rirenga umutima uracha. Jésus cria encore très fort et il rendit l'esprit. Manishimwe. Yesu yasemereye umutima yagute. Jésus a crié et puis il a fait quoi? Alors la manya bana ba filme ya Yesu. Filme ya Yesu ina bambwe. Quand pour ceux qui ont déjà vu le film de Jésus quand il était crucifié. La manya bana ba ibona. J'ai vu des gens qui l'ont vu. Et après, ils pleurent abondamment. Mais les gens qui ont vu Jésus quand il était tenté d'être crucifié, ils étaient en deux groupes. Il y en a ceux qui pleurent parce que. Parce qu'ils sont entrés dans l'émotion de cette œuvre grandiose qu'il a accomplie. Mais il y en a d'autres qui pleurent. Parce qu'ils ont seulement la souffrance corporelle parce qu'il a souffert. Mais Jésus, parce qu'il a vu comment il a été dans la souffrance, parce qu'il a été déchiré à la croix, c'était pour toi et moi, c'est pour nos intérêts. Si Jésus n'était pas mort et qu'il est ressuscité, nous n'irions jamais au ciel. Si Jésus n'était pas crucifié, s'il n'avait pas été tabassé, nous ne pourrions pas guérir les maladies. Si vous entendez les témoignages de ceux qui ont été guéris, c'est parce que Jésus-Christ a été crucifié à la croix. Alléluia! Alléluia! Quand il a rendu l'esprit ou l'âme, il n'était pas mort. Dis à ton voisin, il n'est pas mort. Dis à ton voisin, Jésus-Christ n'est pas mort. Jésus est mort, il est sorti seulement du corps. Parce que la parole de Dieu témoigne qu'il était mort. Il a amené la bonne nouvelle, ce qui était mort. Jésus-Christ a amené l'évangile pour ce qui était mort. Ceux qui sont partis avant sa naissance, il les a amené l'évangile. Lisons le verset 51. Gihusu gikingi yahera cyane ho rusengero itana mukamwo kubiri. Uhere hejuru ugashitsa hasi. Isi iratigita. Ibitandara birasaduka. Alléluia. Et voici le phare du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Alléluia. Alléluia. Si vous avez Kirundi, si vous avez Kirundi, vous goûtez avant de manger Gihusu. Amen. Le voile. Gihusu, le voile. Nikiri dogi komé. C'est un rideau fort. Chari ahera ahera. Et cela était sur le lieu très saint. Inzu imana. Dans la maison de Dieu, il y avait trois différentes parties. Alléluia! 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 Dans la maison de Dieu, il y avait trois différentes parties. La première partie, c'était le lieu public où tous pouvaient accéder. Et la deuxième partie, c'était le lieu saint. Le lieu saint. Pour que tu sois dans le lieu saint. Il y avait le lieu très saint. Alors, séparant les deux parties, le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un grand rideau. Un rideau très fort. Alléluia. Alléluia. Personne ne pouvait y entrer sauf le premier ou le grand sacrificateur.
Anyakinyagwanda, c'est encore bon. Le grand sacrificateur. Lui seul pouvait y entrer. Alléluia. Alléluia. Isigurako. Cela veut dire quoi? Pour que tu puisses prier, il fallait que tu arrives à lieu. Il y avait une promesse. Et il y avait aussi l'arche de la promesse. Là où se trouvait l'arche de Dieu. Et il y avait aussi l'arche de Dieu, de la promesse de Dieu. Sans l'arche, tu ne pouvais pas prier que Dieu puisse t'entendre. Mais, je suis en train de dire les gens qui dorment ou pas. Je vous disais, répète, mais. Maintenant, vous pouvez dire mais. Alléluia. 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 Quand Jésus était à la croix, le rideau qu'on vous disait s'est déchiré en deux. Cela signifie désormais. Alléluia. Alléluia. Ce n'est plus seulement le grand sacrificateur. Toi aussi. 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 Nous pouvons. Nous pouvons. Nous pouvons. Entrer dans le lieu. Très saint. Et au nom de Jésus, nous y entrons. J'ai dit à des gens il y a une semaine, mes gens n'ont pas encore compris la puissance du nom de Jésus. C'est pourquoi beaucoup le disent, mais ils veulent dire bon, je connais ce malade un peu. Mais le nom de Jésus, je dis le nom de Jésus, le nom de Jésus. Tout genou, ici, tout dans le monde entier et dans les cieux, Mukuzimu, sous la terre, s'agenouille. Si moi je suis dépassé par mes questions, je prie dans le nom de Jésus. Je dis Jésus Mashua. Yeshua Mkiyemurayo. Josué ou Yeshua en hébreu. Dis Yeshua. Dis Yeshua. Avant nous étions là. Tout ce qui est ici, nous pouvons prier dans le nom de Yeshua. Nous devons crier dans le nom de Yeshua. Dans d'autres langues, on pourrait dire Yeses. Jesu. Mais ici, nous tous, nous pouvons dire Yeshua. Aujourd'hui, toutes les personnes doivent crier Yeshua. Le Dieu qui ferait te dériver dans le nom de Yeshua. Le Dieu qui ferait marcher dans le nom de Yeshua. Ingumba, les stériles pourront avoir des enfants dans le nom de Yeshua. Tous les adorateurs pouvaient se dériver dans le nom de Yeshua. Je disais, tous ceux qui sont liés par la dureté peuvent se dériver dans le nom de Yeshua. Tous qui sont liés par la dureté peuvent se dériver dans le nom de Yeshua. Tous qui sont liés par le péché de l'ivresse peuvent se dériver dans le nom de Yeshua. Chacun se met dans le Yeshua. Je veux que nous crions Yeshua. Encore à haute voix Yeshua. Je voudrais vous dire une bonne nouvelle. Qui m'est arrivé en 2018. J'ai un fils. À l'époque, il avait 3 ans. Et puis, il a eu la fièvre et il dormait, on ne savait pas. Par après, Agira, la conviction. Il a eu une grande fièvre. Et ça dépassait les températures normales.
Et quand on t'allait couvrir pendant la journée, enfin, on l'a vu qu'un enfant, c'est comme si les yeux partaient en l'air. Alors il l'a amené comme ça. Et il a dit, voilà ton enfant. Et puis je l'ai appelé. Et il s'appelle Joshua. Il a dit Joshua. Et je l'ai appelé. Et puis les yeux continuent à partir. Les dents se collaient l'une à l'autre. Je vois là comme une mousse qui sortait dans sa bouche. Alors j'avais une seule voiture et madame était partie avec la voiture. Alors je ne pouvais pas comme ça partir dans la main sur le médecin. Mais j'ai imposé ma main. J'ai prié pour lui. Et j'ai parlé en langue. Mais au moment où je continue de prier, c'est comme ça qu'il s'affaiblissait davantage. Alors l'enfant était comme un arbre, il ne bougeait plus. Je voyais comme s'il mourait. Et il n'y avait plus d'autre force que j'avais. Alors je me suis concentré avec toutes les forces. Alors je me concentre avec toutes les forces. Alors j'ai souffré, j'ai fait monter le souffle à moi. Alors je me suis préparé. Yeshua! J'ai crié Joshua. Yeshua! Joshua! Yeshua! 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 Oh, j'ai crié. Je ne disais aucun autre mot, si ce mot Joshua seulement. Et j'ai vu l'enfant revenir les yeux. Il me regardait avec beaucoup de sueur. Mais je continue à dire Joshua. J'ai dit Joshua, mais si tu l'as fait. Je n'avais pas eu l'intention de le mettre de l'eau. Je ne savais pas qu'on devait le mettre de l'eau fraîche. Mais je connaissais le nom de Yeshua. Il est capable de ressusciter les morts, de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Et mon enfant a revenu à la mort à cause de Yeshua. Alléluia. Acclamons le nom de Yeshua. Alléluia. Au verset 52. Ziruguruka. Imva. Imva ziruguruka. Imijimba nishyabera. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Kirundi. Imva ziruguruka. Imva ziruguruka. Imijimba nishyabera bari basinziriye irazurwa. Ces choses ne sont pas des fables ou des histoires, mais ce sont des vérités. Les sépulcres des saints. Vous n'entendez pas ça. Ce sont les sépulcres des saints. Les morts saints. Ils se sont ressuscités. Ils ressuscitèrent. C'est pourquoi vous n'avez pas la joie. Parce que les saints ont été ressuscités. Pourquoi ils sont ressuscités? C'est parce que Jésus est sorti du corps. Il est allé dans le séjour de mort pour les délivrer, pour les donner la vie. Ils étaient liés. Ils ont été déliés. Il les a ramenés et je les ai vus. Ils marchaient. Est-ce que vous me suivez au verset 53? Ikirundi yazimye nga bava mumva amaze kuzuka bashika mu gisagara cera babonekera benshi. Les sépulcres des saints s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Alléluia! Alléluia! Adieu, ceux qui ont entendu, le voile s'est déchiré. La parole de Dieu nous dit que le voile s'est déchiré. Complètement en deux. Je voudrais que vous disiez complètement en deux. Il s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Il s'est déchiré
touchés depuis le haut jusqu'en bas. Après, ils ont vu les saints qui sont morts. Ils sont ressuscités. Ils ont marché. Les gens l'ont vu. Ils ont vu Abraham. Ils ont vu Moïse. Ils ont vu Élie. Ils ont vu Élisée. Ils sont ressuscités. Alléluia. Alléluia. Écoute bien. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tes choses. Il y a des choses en toi qui sont mortes. Ils doivent résister aujourd'hui. Les choses mortes doivent résister aujourd'hui. Parce que nous allons appeler Joshua. Les maladies vont guérir. Il y a des choses que le diable a liées qui doivent être guéries à cause de Joshua parce qu'il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Hakuna. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Hakuna. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Hakuna. Tu es Alpha et Omega. Tu es Alpha et Omega. Alpha et Omega. Alpha et Omega. Je demande au chantre de bien se faire. Jésus a vaincu. Pour toi qui es encore lié. Toi qui es dans le désespoir, même si tu veux te suicider, il y a des gens qui ont perdu l'espérance. Il y a beaucoup qui sont liés dans le péché. Beaucoup alors sont des gens qui sont dans des églises. Ils vivent dans l'église. Ils vivent encore le péché d'adultère encore étant dans l'église aujourd'hui. Si Jésus venait aujourd'hui, tu n'iras pas au ciel parce que tu vis dans le péché. Aujourd'hui, ceux qui peuvent rencontrer Jésus dans les nuées, c'est ceux qui ont crié à lui comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alléluia. Yes, Jésus a dit, venez tous à moi. Vous tous êtes fatigués et vous tous êtes chargés. Mais le titre, le thème, il a vaincu. Dis, il a vaincu. Tu n'as pas encore connu qu'il a vaincu. Il a vaincu. Et que le diable sache, Jésus a vaincu. Que Satan sache que Joshua a vaincu. Alléluia. Dis, il a vaincu. Encore, il a vaincu. Alléluia. 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 Que Dieu soit loué. Dieu fait des jours qui me montrait des enfants qui naissent. Je suis en train de parler dans l'esprit, des gens qui naissent dans l'esprit. Il est temps que beaucoup de gens reçoivent Jésus-Christ réellement dans leur vie. Nous allons prier, c'est vrai, pour les malades. Nous allons prier pour des sujets différents. Mais pour le moment si présent, nous voulons recevoir Jésus. J'ai besoin et je souhaite que toutes les personnes qui aiment ici, tous les saints qui sont ici, je vous dis que nous tous nous puissions aller au ciel et que ce jour nous serons devant la table de Dieu et nous chanterons les louanges disant la gloire et le bonheur de Dieu. Allons ça, la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus t'aime. Jésus est mort pour toi. Jésus veut te sauver. Je ne suis pas venu te dire la doctrine de ta religion, mais je suis venu te dire Jésus qu'il est mort pour toi. Il faut que tu te prépares parce que nous avons entendu qu'il est venu tuer. Mais si tu n'es pas encore mort, si tu n'es pas encore mort aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu que tu puisses recevoir
que tu sois ici, que tu reçois la parole. Que tu reçois la bonne nouvelle. Mais tu peux avoir reçu beaucoup de nouvelles et qu'aujourd'hui c'est ton heure. Il est possible que ta soirée c'est maintenant aujourd'hui. Ces paroles que tu as entendues que je t'ai annoncées, peut-être tu les entendras pas le jour où tu vas ressusciter. Parce que la parole de Dieu nous dit que ceux qui sont morts, tous se ressusciteront. Et quand ils seront là, même là derrière, nous serons ressuscités. Mais ça sera de deux façons. Les uns seront pour être revêtus de la couronne de la vie. Mais d'autres seront pour recevoir le jugement de Dieu pour leur mal. Alors je ne veux pas que tu sois dans ce dernier. Mais je voulais que tu sois sauvé. Que tu puisses avoir la relation avec Jésus. Ça ne demande pas de l'argent. Il se demande seulement que tu confesses et que tu appelles Jésus dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Vous qui n'êtes pas encore été visité. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Avant que j'entre dans la deuxième partie, je voudrais d'abord demander que tu puisses vraiment garder ton cœur. Pour tous qui êtes ici, toi, ne regarde personne qui est ici, mais toi, regarde ton cœur. Si tu as un doute, que si tu mourrais maintenant, que tu ne puisses pas aller au ciel, si vraiment tu as un minime doute, que tu as reçu Jésus, je sais que tu ne devrais pas avoir de doute. Parce que la personne que je ne doute pas. Mais si tu n'es pas sûr que si tu mourrais maintenant, tu puisses aller au ciel, je voudrais prier pour toi. Que tu reçoives Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait vraiment recevoir Jésus? Si tu es ici et tu dis je voudrais recevoir Jésus comme ton Seigneur, qu'il soit ton Seigneur, j'aimerais lui donner toute ma vie et que je le serve, je le suive. Si et que si je mourrais, que je puisse aller dans le monde. Si tu es ici, si tu es ici, dis-nous à Satan, lève ta main. Jésus, Joshua voit toutes ses mains. Yeshua, Machua, alawana yamayo amaboko. Il voit toutes ses mains. Alléluia. Maria va kizi kibazo mwa chana haja. Ario tante nyomayo kwa sengi. Les gens qui ont des soucis, vous pouvez les mettre ici derrière la tribune. Mwa tuele ario haja kuli tante kwa sengi. Il y a le lieu de prière ici derrière. Mais ceux qui veulent la puissance dans le nom de Yeshua, la puissance du nom de Yeshua se manifeste. Il y a des esprits qui ne peuvent pas résister quand tu parles de Yeshua. Quand Yeshua descend, les mauvais esprits disparaissent. Alors, la parole de Dieu dit: il y a une grande fête au ciel lorsque une seule personne seulement, se répande. Il y a une grande fête. Il y a une grande fête au ciel. Il y a des chants, des chorales au ciel. J'ai dit combien de gens? Combien de personnes? Mais là j'ai vu des milliers de mains. Parce que le diable ne veut pas que tu puisses le quitter. Alors si réellement tu veux le mettre dans la honte, Satan, si tu veux que Satan puisse aller dans la honte, lève-toi. Viens, oh Jésus. Alléluia. Avant Dieu, avant la
baragurutse. Ceux qui sont mis debout. Yesu yavuze ngo. Yesu yavuze ngo. Jésus a dit ceci. Uzogira isoni. Celui qui aura honte. Wazotera isoni imbere y'abantu. Celui qui aura honte de moi devant le gens. Akuvuga ngo muteze isoni. Il qui voit que je, il a honte de se publier. Il ne peut pas me témoigner devant le public. Jésus-Christ lui-même n'aura pas de témoigner devant Dieu. Maintenant alors. Sans considérer les gens qui sont à côté de toi. Quand que tu puisses considérer ces photographes. Je veux dire que tu puisses mettre tes pensées au ciel. Que tu penses que. Toi que tu t'es mis debout. Que manga, yes. Et que tu témoignes solennellement Jésus. Alicorare, il y a des milliers de corps qui sont en train de cramer. Même les gens d'ici ne sont pas. Mais au ciel. Mijuru. Au ciel. Alicorare, ils sont en train de cramer à cause de toi. Beaucoup de personnes sont debout et ici la place est si petite. Même si vous pouvez essayer, les gens seulement qui seront à mes yeux d'être ici, les autres vous resteront dans les places où vous êtes. Et on voulait vous laisser venir équiper ici pour que Satan soit dans la honte, qu'il y voyait combien vraiment on vient de le dépouiller. Alléluia. Personne n'est venu de force. Je n'ai exigé à personne de courir. Mais parce que vous avez compris la parole, vous avez vécu. La parole qui donne la vie. Il y a la déclaration. Nous voulons déclarer confesser. Alléluia. Que tu le dises publiquement, sans regarder quiconque est à toi. Et tu dis, mon Seigneur Jésus, à haute voix, Seigneur Jésus, ce soir, je suis vaincu par la parole. Je choisis de te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, je te demande, inscris mon nom dans le livre de vie. Alléluia. Alléluia. I'm going to say, Yesu Kristo ni umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu.
ngiye gusenga isengesho ryo kugushimira Imana na usabe waturi cyakuzanye uvuga uti mama Yesu icaha canje ndakize ndihanye ndizeye amaraso yawe anyakire nsenga Imana mana data ya Abrahamu Isaka na Yakobo mwizina rya Yesu apfuye akazuka mwizina rya Yesu aduhamagaye mwizina rya Yesu watsinze kuzimu agatsinda urupfu n'icaha raba irihanga ry'abantu b'abarundi n'amahanga akikije ahantu yapfuye mana iyi nyota n'inzara bafise data uri mu ijuru turaguhamagaye nk'abakozi bawe dusabye imbabazi kuri irihanga nasabye ubabarire icyaha cy'ubusambanyi icyaha cy'ubusuma icyaha cy'ububeshi icyaha cy'ugukorora inda icyaha cy'urwango icyaha cy'amacakubiri icyaha cyose in the name of Jesus mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu amaraso yawe mama babeho ukura icyaha ku bantu ucyura icyaha ku bantu bataha amahoro amazina yabo yandikwa mu gitabo cy'ubugingo ntibibagiranwe uhereye umunsi bavuye kwa Satani baji wawe mwami Satani abibagire Satani ubave inyuma wacawe turakwirukanye ntukagaruke ukundi abantu baronka amahoro mana abantu baronka amahoro abantu baronka umwitegemvyo abantu bakire abantu Burundi bukire n'amahanga yose ibihugu byose byaje hano mana ibyaha byabo biharigwe uharire icyaha cy'abarundi mana icyaha cy'abarundi mana umwikomo w'abarundi mana inzigo z'abarundi mana amacakubiri mana icyaha cyose amaraso ya Yesu abeze abantu bawe bataha amahoro ibi tubivuze twizera kuko wavuze mwami ngo abantu bitirwe izina ryawe nibumva ijambo ryawe mana bakumva izina ryawe rivugwa ijambo ryawe rikabatsinda bakihana uzobaharira uharira igihugu kandi ugikize niko tuvyizeye kandi tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amen Shimimana, amen. Shimimana, hallelujah. Shimimana, amen. Aucune chose n'a qu'une chose il n'y a aucune chose pour les ici dans ce monde
soit agréable comme le ciel. Amen. Au ciel. Alléluia. Alléluia. Wow. Même vous qui. Quoi dire encore? Qu'est-ce que je veux dire encore? Le réveil est si magnifique. Parce que quand le réveil est là, on n'a pas encore à insister aux gens, venez de Jésus. Mais non, les gens viennent et même en courant. Maintenant, le programme que j'avais heureux, que j'avais dépassé un peu, mais tu as visé quand tu gagnes un coup de tape et couliquir. Il est temps et il est agréable qu'on puisse aller à l'étape suivante. Vous tous qui êtes devant, vous tous qui êtes devant, demain, ceux qui seront encore ici à Bujumbura, j'ai encore besoin de vous rencontrer. Pour que je puisse continuer ces paroles avec vous. Quand Jésus-Christ a initié 5000, 10000 personnes, mais il y avait d'autres personnes qui se paraient mettre de côté. J'ai envie et je souhaite vous rencontrer encore demain. Que qui va rencontrer moi demain? Alléluia. Je suis en train de dire les gens qui ont décidé de donner le levier à Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de dire vous qui étiez déjà vraiment enfant de Dieu, né de nouveau. Oui, j'ai envie de vous rencontrer aussi prochainement. Mais demain, précisément, demain. Demain. À 15h. À 15h. J'ai envie de vous rencontrer. Alléluia. Alléluia. Les visiteurs qui ne sont pas d'ici. Et ces visiteurs qui parlent le français, vous n'êtes pas concernés. Seulement, vous pouvez nous écrire sur le numéro de Kanguka qui se trouve dans l'application. Donnons-nous vos noms. Et tu écris seulement la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 30e, le 22 juillet 2023. Si nous verrons que tu nous as mentionné le 22 juillet seulement, on reconnaîtra. On saura de quoi vous aider, on saura de quoi vous donner. Pour que nous puissions avoir de l'ordre. Et qu'on entre dans le temps pour le plus dire. Je vais vous demander un moment de retourner où vous étiez. Retournez dans vos places humblement, acclamons le Seigneur à notre retour. Alléluia. Shimimana, amen. Shimimana, alléluia. Shimimana, amen. Shimimana, alléluia. Shimimana, amen. Shimimana, alléluia. Shimimana, amen. Qui ont la joie par rapport à ce qui vient de se passer? Qui ont la joie par rapport à ce qui vient de se passer? Inimba, iba, jimijama, jimala, vango, umunuma, ihanye. La parole de Dieu nous a dit qu'une seule personne qui s'est repentie, il y a une grande fête dans les cieux. Mais ici nous avons vu des milliers. Et il y en a d'autres qui sont laissés là derrière, si non seulement ce qui était dit. Parce que le réveil est là. Le réveil a commencé. Le réveil a commencé. Alléluia. Gloire à Dieu. Imanishimwe. Gloire à Dieu! Alléluia! Nous allons entrer dans la deuxième partie. Manichemwe. Gloire à Dieu!
Nous allons prier pour le pays. Tu veux prier pour le pays? Alléluia. Alléluia. Il y a des promesses concernant ce pays. Gloire à Dieu. Pour ces choses qui se passent maintenant, Dieu l'a préparé d'avance. Il y a un serviteur de Dieu qui est ici au milieu de nous. C'est mon père spirituel. Celui qui m'a aidé, m'a accompagné 9 ans. Et celui qui a permis aussi que le ministère de Kanguka puisse voir le jour. Parce que Dieu lui a parlé sur le Burundi alors qu'il ne connaissait pas où se trouvait le Burundi. Et il allait chercher le Burundi en Asie. Je voudrais lui donner 3 minutes seulement. Et qu'il puisse venir s'approcher ici avec Praise God. Imani shimwe. Gloire à Dieu. You know I am from the United States. Je murabizi mvuye muri America. Moi je viens des États-Unis d'Amérique. And I only know a few words in Kirundi. Ariko nza maja mu make cyane mu Kirundi. Et je ne connais que quelques peu de mots en Kirundi. Ni sawa. Et ça va. Imani shimwe. Glory to Jesus. Christ m'a demandé que je vienne ici pour donner un témoignage. But before I do this, I want you to look down at your shoes. Mais avant que je fasse ça, je voulais qu'on puisse regarder sur tes chaussures en bas. Everyone look at their shoes. Que chacun puisse regarder sur ses chaussures. Are they clean or dirty? Est-ce que sont nettoyés ou bien ils ont de la poussière? If they are not dirty, you have not. Si tu n'as pas de la poussière, tu n'as pas de la poussière. My wife and I, many years ago, began to pray about Burundi. Ça fait pas mal d'années que nous avons commencé à prier pour le pays du Burundi. But the truth was, we did not even know where Burundi was. Mais la vérité est qu'on ne savait même pas où se localiser le Burundi. We had to open up the map to find Burundi. Nous avons pu ouvrir la map, la carte mondiale pour localiser géographiquement où se trouvait le Burundi. I said to my wife, maybe it is near Saudi Arabia. Et puis j'ai dit à mon épouse, eh, je crois que ça doit être un grand sandwich qui doit être plein dans la carte. I did not know where you were. Sincèrement, je ne savais pas comment localiser le pays de Burundi. But our Father knows where you are. Mais notre Père éternel connaissait très bien où vous êtes localisé. And he is calling your name. Quand il va hamagara mwizina. Et il appelle chaque individu par son nom. You know this is a special day. Aujourd'hui est un jour spécial. It's a special day for Kanguka. C'est un jour spécial, c'est vrai, pour le ministère de Kanguka. It is a special day for Burundi. Mais c'est un jour spécial aussi pour le Burundi. But it is a very special day for the kingdom of heaven. Spécialement, c'est un jour convenablement spécial pour le ciel. I met Chris in 2009. Now,
J'ai rencontré le frère Christ en 2009. We spent 3 months together in prayer and ministry. Nous avons passé 3 mois ensemble dans l'action de prière. And in those days, God began to give birth to Kanguka. Et pendant ce temps-là, c'est là où le Seigneur a donné l'occasion de naître, le jour de naissance à Kanguka. But later in 2010, I was seated in my living room with my wife. Mais après, en 2010, j'ai été aussi avec mon épouse dans la prière. And we were only praying. Nous étions dans la prière ensemble avec mon épouse. And in my living room, a river opened up. Et puis alors étant dans la chambre, j'ai vu une ouverture. Une rivière d'ouisson qui comme coulait. This river rose up from the floor. Et cette rivière, c'est comme si ça jaillissait du sol montant. And it went out the window of my house. Et par après, c'est passé par la fenêtre pour sortir derrière. Alors c'était une grande vision extraordinaire. I said to the Lord, where is this river going? Et alors j'ai demandé, cette rivière qui jaillissait, qui court vers où? And in the spirit, I saw it come to Burundi. This river landed in this country. Cette rivière alors est venue dans ce pays. And this water went into the ground. Et alors la rivière en question, l'eau qui était de cette rivière pénétrant le sol d'ici. And in that moment, many fruit trees began to grow up. Et à partir de ce moment, beaucoup d'arbres fruitiers commençaient à germer. And the fruit came on the trees. Et les fruits se voyaient sur ces arbres fruitiers. It was not mangoes. Ce n'était pas des mangues. It was not bananas. Ce n'était pas des bananes. It was some other kind of fruit. C'était une autre sorte de fruit. And this fruit became ripe. Et puis ces fruits sont mûrs. And it started to fall off of this tree. C'est comme si ça tombait alors de fruits, des arbres fruitiers plutôt. Some of the fruit landed in this country. Ces fruits que je vois sur ces arbres tombaient dans son pays. But in the spirit, I saw this fruit also fall into Rwanda. Et aussi en esprit, I saw it to the Congo. Rwanda, I saw this fall into Tanzania. And in many places in Africa and the world. Dans d'autres pays de l'Afrique et dans le monde. Dans d'autres pays de l'Afrique et dans le monde. At that time, I did not know what it was meaning. Mais à ce moment, je n'avais aucune compréhension de cette vision. But I tell you today. Aujourd'hui. Is a fulfillment of that vision. Aujourd'hui. Hallelujah. Cette vision que vous avez compris. Hallelujah. 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 Hallelujah! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Les fruits vont commencer à tomber alors. Les uns au Congo. Les autres au Togo. Les autres au Rwanda. Les autres au Cameroun. Les autres en France. Les autres en Belgique. Les autres en Amérique. Et d'autres au Canada. Ici aussi. Le monde entier. Il y aura le réveil. Les fruits tomberont partout. Alléluia. Rapidement, nous allons lire Jérémie au chapitre 10, au chapitre 1er, verset 10. Je vais lire au chapitre 10, plutôt, chapitre 1er, le livre du prophète Jérémie. La Bible dit ceci. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu attaches, non, plutôt que tu arraches et que tu abattes,
pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Alléluia, mkirundi. Brava, uyu munsi gushizeho kugira ubushobozi. Vuga uti ubushobozi. Cyane tubushobozi. Ku mahanga, sur les nations, no ku bihugu, et sur le royaume, y'abami, des rois, go kurandura, pour arracher. Avuga bonga gusa bari amurasiziriye. Les gens de l'autre côté, vous dormez. Devons confesser et déclarer. Ézéchiel, le Dieu lui dira, parle, prophétise sur ce que nous allons le dire. Nous avons l'autorité d'arracher, de détruire, abattre et de ruiner. Pour bâtir et planter. Alléluia. Alléluia. Je vais faire une œuvre courte, mais plus puissante. Pourquoi? Parce que nous voulons arracher. Nous allons arracher. Dans le nom de Jésus. Nous allons arracher dans le nom de Jésus. Nous allons détruire. Je vais vous dire, il y a des choses qui ont été établies et bâties dans ce pays. Depuis le commencement de l'ensemble de ce pays, il y a des choses qui ont été bâties et qui manifestent la puissance du diable. Il y a des autels du diable qui ont été établis et bâtis dans ce pays. Maintenant, nous allons les abattre. Nous allons les détruire. Nous allons les ruiner. Nous allons les détruire dans le nom de Yeshua. Mais avant que ça soit ruiné, nous ne pouvons pas le faire état assis. Si tu veux ruiner, lève-toi. Mets-toi sur tes pieds. Lève-toi. Lève-toi. Je veux que vous compreniez une chose. Toutes ces questions, ces problèmes que nous voyons dans ce pays. Et les problèmes, par exemple, de carburant. Les problèmes de Fanta, des boissons Fanta. Les problèmes du sucre. Les problèmes des devises dollars. Ça, les gens se plaignent beaucoup sur ça. Mais ça, c'est comme une personne qui a des boutons sur le visage. Mais les boutons ont leur origine. Alors maintenant, nous allons arracher nos racines. Les racines. Les racines où se trouvent. Ephésiens chapitre 6. Au verset 12. Parce que la Bible dit, ceux qui, avec qui nous combattons ne sont pas de chair et de sang. Le problème que nous avons ici au Burundi, les gens, ce ne sont pas les autorités, mais c'est l'esprit, l'atmosphère. Je dis l'atmosphère. Quand Daniel priait, il était dans le jeûne et prière. Dieu l'a entendu. Il a envoyé un ange pour amener sa réponse. Gabriel était venu. Mais il y a un autre roi qui l'a empêché. Et nous, ce n'est pas ce roi-là de Soumami Kuro. Ce n'est pas le roi Kuro qui avait le temps. Mais c'était un roi de cette. Gabriel, Yananiwe. Ce roi a échoué. Gabriel, Yananiwe. Gabriel plutôt a échoué. Mais il a failli que Michael vienne pour amener le renfort et la victoire. Ce qui a été échec au Gabriel. Avec l'ange Gabriel, nous allons prier. Et Michael. Vous n'avez pas encore compris. Nous voulons arracher. Il y a des sacrifices qui ont été donnés. Il y a des choses qui ont été faites.
Mais ce soir, nous allons déclarer le Saint-Sacrifice donné à la croix. Nous allons dire ce qui a été fait à la croix. Nous allons détruire. Je vous dis la vérité. Je vais vous dire la vérité. Moi je crois que même la semaine prochaine, il y aura quelque chose qui doit changer au Burundi. Alléluia! Je vous dis encore, la semaine prochaine, ces parkings de voitures de voici les stations. Ça part. Dans le nom de Joshua. Pourquoi? Parce que nous n'allons pas appeler le carburant. Nous n'allons pas appeler le devise. Nous allons appeler le roi de l'Agande Murundi. Qui règne à Agande Gitega. Qui règne à Gitega. Agande Mozi. Qui règne à Ngozi. Agande Hos. Et qui règne partout. Permettez-moi donc. Ceux qui croient. Je voudrais voir ceux qui croient en cela. Ceux qui croient en cela. Vous croyez que si nous le confessons, que la parole de Dieu dit deux ou trois, quand ils ont vraiment la convention ensemble dans le cœur, Joshua sera au milieu d'eux. Les visiteurs qui sont ici, vous les Togolais qui êtes ici, les Congolais qui sont présents, sauf feu que vous trouvez ici. Ah, amenez-les au Congo. Amenez-les au Cameroun. Amenez-les partout où vous êtes. Amenez en Europe. Et dites-le. C'est possible. Oh, c'est difficile pour nous. Nous n'allons pas combattre avec les hommes. Mais nous voulons combattre avec les esprits. Les esprits de Israël. Nous allons les ordonner au Burundi. Les esprits de mensonge. Nous allons les ordonner ici au Burundi dans le nom de Jésus. Je vais énumérer les provinces du Burundi. Vous êtes province. Quand je vais nommer le nom d'une province, tu voudrais croire province. Et nous allons confesser que c'est Jésus qui régnera dans Amen. Cette province. Amen. Et toi, il faudra tout dire là. Si nous le disons, il aura un impact dans le jour. Cela aura un impact au ciel. Et Amen. Nous verrons des yeux, des choses palpables ici. Minde mwami, imo comme Kirundo. Qui est le roi de la province de Kirundo? Ah, oh, tu vois, s'il vous plaît. Minde mwami mu Kirundo. Qui est le roi à Kirundo? Et quand je dis ça, répétez. Minde Kirundo. Qui est le roi à Kirundo? Minde mwami mu Yinga. Qui est le roi à Muyinga? Minde mwami mu Chibitoke. Qui est le roi à Chibitoke? Minde mwami mu Banza. Qui est le roi à Bubanza? Kayanza, Yerouan Bumanza, Ngozi, Yerouan Ngozi, Namami Karuzi, Yerouan Karuzi, Namami Gitega, Yerouan Gitega, Namami Maro, Yerouan Maro, Namami Muranja, Yerouan Muranja, Namami Bujumbra Dirar, Yerouan Bujumbra Dirar, Namami Bujumbra Meri, Yerouan Bujumbra Meri, Namami Buromonge, Yerouan Rumonge, Namami Bururi, Yerouan Bururi, Namami Rutana, Yerouan C'est fini. Yes. Vous dites non. Que vous voulez alors? Priez pour vous. Qui va vous sauver? Qui va vous guérir? Qui va vous guérir? Vous achetez. Vous achetez. La puissance de l'ennemi est vaincue. Vous vous achetez, merci. Asifi, vous vous achetez, vous achetez, merci. Vous vous achetez, merci. Vous vous achetez.
Toutes ces personnes que vous avez vues qui étaient ici présentes, tous ces gens que vous avez vus qu'on a mis de côté, ce sont nos mêmes esprits qui sont en train de fuir parce qu'ils ont été vaincus. Mais maintenant aussi, les esprits mauvais vont être vaincus. Quand vous voyez ces gens-là qui sont derrière, les esprits de stérilité, les esprits de tout genre de maladie, parce que le rideau a été déchiré. Hey! Alléluia! Il y a des moments où je me sentais que je pouvais partir. Parce que le ciel est bien. Yes, Jésus est bien. Yes, Jésus est bon, il est bien. Hey, les visiteurs. Il y a un chant international qu'on va entonner. Qui se dit comment? Les visiteurs. Alléluia. Alléluia. Io mana nziza, io mana nziza, io mana nziza, 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 io mana, io mana nziza, io mana. Chose que nous allons faire avant qu'on puisse prier pour les malades, on fait quelque chose. Normalement, nous donnons un cri. Les gens donnent un cri quand ils ont la victoire qui est palpable, n'est-ce pas? C'est comme ça. Mais pour ceux qui croient, ce n'est pas de la manière. Les gens qui croient ne font pas comme ça. Avisera. Les gens qui croient, ils se donnent un cri avant que les choses soient réelles. Parce que ils ont la foi. Ça c'était un échauffement. Aye. Hey, yeah. Hey, yeah. 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 Maintenant, Avaria. Les gens qui sont qui dorment là, ils sont réveillés. Hey, les gens qui sont côté là. Nara kanguse. Murimaso. Vous êtes éveillés. Murimaso. Vous êtes éveillés. Murimaso. Si vous êtes éveillés, c'est bien. Dans cette yuko. Je vous demande une chose. Alléluia. Hey. Alléluia. Alléluia. Regarde comme un carouro. Pour vous donner un cri. Lorsque les mines de Jéricho ont été détruites, ils n'ont pas utilisé un marteau. Il n'y avait pas de caterpillar. Mais seulement ils ont tourné. Le septième jour, ils ont donné un cri. Ils ont crié pour la victoire non encore vue. Et nous aussi, nous allons crier la victoire qui n'est pas encore touchée. Mais nous allons la voir bientôt. Mais nous savons que nous l'avons. Même si nous la voyons, nous l'avons, nous croyons. Amen. Amen. Êtes-vous prêts? Amen. Je vais compter trois fois. Comme Ndourou. Et puis tu te donnes un cri. Tu cries. Ou siffle. Ou siffle. Ou pour dire pour que les gens de Kanyosha trouvent. Entendent. Attendez. Oh, shoot!
L'Esprit de Dieu est en train de toi qui veux être guéri, lève ta main. Toi qui as un souci, une question de maladie. Que ce soit une maladie corporelle ou une maladie qu'on ne voit pas. Dans ce côté, il y a trois personnes qui ont le cancer. Dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui sont liés. Les gens qui ont la il y a un jeune homme qui a la yes. Que le Seigneur délivre le nom de Jésus. Lève ta main. Oui, si tu crois. Oh mon Dieu qui est au ciel. Nous venons de ta présence. Pour les miracles. Merci pour les gens qui ont délivré. Merci pour les gens qui sont guéris et les malades que tu as délivrés. Merci pour les gens qui guérissent l'estomac. Maintenant reçois la guérison. Dans le nom de Jésus. Toi qui es lié. Toi qui ne parviens pas à marcher. Toi qui es lié parce que tu ne marches pas. Dans le nom de Jésus. Les gens qui ont des gens qui ont amené des gris ici. Dans le nom de Jésus. Que tu quittes ici à présent tes derniers, que tu les jettes. Et que tu les brûles. Parce que Jésus t'a délivré. Il y a quelqu'un qui a une piscine ici. Dans le nom de Jésus. Oh, que Dieu t'a je prie pour les personnes qui sont dans la dépression. Les gens qui ont la maladie de cœur, dans le nom de Jésus, qu'ils soient guéris. Il y a une maman qui a le cancer du sang. Tu témoigneras parce que Jésus te délivre. Au nom de Jésus, une personne qui a la maladie du cœur, je parle de Jésus. Il y a beaucoup d'enfants qui vont naître. Il y a beaucoup de mamans qui vont concevoir. Maintenant, ils ne donnent pas d'enfants. Mais il y a des chaînes qui sont déliées. Toi qui n'enfantes pas, tu as essayé maintes fois. Il y a plus de 10 ans. Joshua te délivre. Joshua te délivre. Diabète. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont en train de guérir de diabète. Il y a des gens qui seront guéris de diabète sur YouTube. Au nom de Jésus. Ceux qui sont liés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci parce que ta présence est ton feu. Fais descendre ton feu. Oh, que tu as donné sur la croix. À la croix, tu as pris toutes les maladies. À la croix, tu as pris toutes les malédictions. Au nom de Jésus, nous prions pour les malades. Il y a des gens qui sont pour les personnes qui sont dans les hôpitaux. Tu reçois la vie. Nous déclarons la vie. Tout ce que le diable a pris, nous le retournons maintenant. Maintenant Jésus merci. Il y a des manifestations. Au nom de Jésus. Oh, louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Il y a des chaînes dans la vie de ton père. Beaucoup de mots qui ont été profanés sur toi. Depuis la naissance, que ces mots soient prononcés au nom de Jésus. Ceux qui ont déclaré de bénédiction, et moi je déclare de bénédiction au nom de Jésus. Que la volonté de Dieu, soit sur ta vie au nom de Jésus. Dis à toi, laisse-le. Dis-lui, laisse-le. Au nom de Jésus. Misericordieux. Vaillons. Lève. Sors. Ça, c'est la maison de Dieu. Au nom de Jésus.
Jésus. Amenez-les derrière. Il y a des personnes qui ont des intérêts. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus, qui ne confesse pas Jésus, qui n'obéit pas Jésus, je le commande de sortir de ce côté. Il y a trois sorciers et je le dis au nom de Jésus pour toute la puissance que vous avez, ça tombe. Et il y en a d'autres qui vont faire des manifestations à la maison. Quand ils seront rentrés.
dans le nom de Jésus. Regarde ici, ne regarde pas. Regarde ici. Montre-moi les mains. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nashaka. Je voudrais. Parce que le temps file. Si nous restons ici jusqu'à 22h, ça ne se terminera pas. Mais il y en a qui sont guéris sur place. Et il y en a d'autres qui vont guérir à l'entrée. Et il y en a d'autres qui vont guérir à la maison. Et il y en a qui vont guérir demain. Parce qu'ils ont la foi. Amen. Amen. Mais ceux qui ont vaincu, ils ont vaincu par la parole. La parole. Amen. Amen. Et leur témoignage. Je voudrais donner l'occasion à quelques gens qui vont témoigner pour que le diable Satan soit dans la honte. Une personne qui entend qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie lève sa main. Si tu as entendu, senti quelque chose dans ton corps, quelque chose, lève ta main. Ou bien tu avais des douleurs et maintenant il n'y en a plus. Amen. Amen. Ou bien s'il y a quelque chose qui s'est passé sur toi, je vous demanderai de venir de ce côté. Vous viendrez de ce côté et vous allez parler avec ces gens. Nous allons écouter quelques personnes. Les autres, vous irez dans l'application où vous nous enverrez des audios dans votre témoignage. Témoignez. Il y a des puissances dans le témoignage. Quand il témoigne, il y a délivrance dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. J'étais au foyer depuis 15 ans. Je n'ai pas eu d'enfant. Et au moment de la prière, du Tchad. Hein? Tchad. Tchad. Oui. C'est tchadienne. Oui, je suis tchadienne. Et quand? Le 20. On a fait 4 jours aujourd'hui. Avouez mon kibri Tchad. Tchad, nous façonni. Au moment de la prière, j'ai senti quelque chose qui a bougé dans mon ventre. Jésus m'a guéri. Non, ne l'aime pas, il m'a dit. Alléluia. Amen. Je suis congolaise de Kinshasa. Nous voyons le Congo à Kinshasa. Je suis malade de l'estomac. Na lingua estomac. Quand je suis là, j'étais là. J'ai senti quand on a commencé à prier. J'ai senti les vertiges. J'ai commencé à vomir. Et mon gars, quand c'est là, mon fils est au Congo, non, tawa, na dashwe. Commencé à vomir. Na tangwe kutawa. Commencer à faire les renvois. Gros envoi. Quand il veut juste la zone, vous avez beaucoup de j'ai senti. Non visé. J'ai commencé à trembler. Non, Banjoukoumira. Je ne peux pas parler. Je remercie les gens qui ont pris ça. Naïchoua Hirimana Kuko Yagiji. Ok, on coule qui là, on commence. Nous allons acclamer Dieu, donner le gloire à Dieu. Alléluia! Alléluia! Tout doux, tu es quand ça te passe, alléluia! Alléluia! Nanje, Nalima, Zimia, qui est Nitanu. Ça fait plus de 5 ans. Et je n'avais pas de l'oreille droite, on n'entendait pas. Et maintenant, je suis délivré. Quand on a commencé à prier, j'ai senti des choses qui sortaient dans mon oreille qui étaient trop froides. J'ai senti quand on priait des choses froides qui sortaient dans mes oreilles et je tremblais moi-même. Je ne sais pas comment je suis tombé par terre. Mais quand je suis tombé tout en criant au secours du nom de Jésus.
Alléluia. Tous vos oreilles entendent. Alléluia. Jewe igihe twariko turakriya numva nakishoboye gukriya ama numva imwe mu zimeze nk'izinjana hama ncanguma mpamagara Yesu Yesu hama nari na je nyene fite probleme eh au moment où on priait et au conquérir j'ai crié mais je sentais que si le souffle était fini pour moi mais j'avais aussi des douleurs au niveau de l'estomac quand je suis venu. Après j'ai senti la chaleur et puis j'ai commencé à vomir. Et maintenant je me sens très bien parce que mon ventre m'a lâché. Amen. Ce qui s'est passé quand on a prié, quand on priait, c'est lui qui avait la Pepsi. C'est la personne qui était malade de Pepsi. Je loue le Seigneur. Je suis venu avec des douleurs au niveau du cou. C'est comme si je voulais retourner à la maison parce que je sentais que je n'allais pas tenir. Mais quand on a commencé à prier, j'ai senti que tout ce qui est sur le cou est parti, je suis libéré. C'est là! C'est là!